Dis donc, il aime le mauvais goût, le proprio. C'est sa femme qui peint. Oh, celui-là, c'est pire que tout. Ah ben, c'est elle, un autoportrait. Je vais trouver la cuisine. Si, elle est sur la gauche. Non, non, il n'y a pas de cuisine sur la gauche. Où sont les enfants? Dehors avec Carmen. Je dis, vous êtes bien installés? Ah, parce que ici, la vue est superbe, hein, si vous voulez. Allez, on est bien ici. Il n'entend pas. Je suis très bien ici. Et l'autre couple, hein, comment il s'appelle, lui, déjà? Le vétérinaire? Ouais. Xavier. Ils ont pris la plus belle, juste au-dessus. Mais c'est normal. Ils connaissent la maison, ils la louent tous les jours. Ah, ben, c'est pas une raison pour prendre la meilleure chambre, hein. On paye tous le même prix, non? Moi, je vais leur demander de changer, hein. Écoute, Luc, ne commence pas à faire des histoires. On est là pour une semaine. Regarde, la vue est superbe. Tu crois que je pourrais bronzer seins nus? C'est un trou à rats. Voilà, on a pris le trou à rats. Que c'est beau, cette lumière. Dis-moi, pour les courses, il faut tout de suite commencer une caisse commune. Bah, si tu veux, ma chérie. Alors, le paquet de pins aux framboises que tu as acheté sur l'autoroute, il est où? Moi, c'est quand je vois la tortue que je me sens vraiment en vacances. Ah là là, la tortue, le béret du berger, la limace. C'est compliqué, mais on risque rien. Non, on croit qu'on connaît les gens. Et puis, on n'est jamais assez prudent. Toujours rien. Ah si, là j'ai une brique. Deux sur la pointe des pieds. C'est-à-dire, si je reste comme ça, on pourra décrocher, mais on ne saura pas qui c'est. Ah ben c'est pratique. Sa façon qu'il a de tout chronométrer en permanence. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de savoir que d'ici à la plage, il y a 1 minute 30, quoi. Tout à l'heure, quand Annette t'a demandé ce qu'on faisait le 9 septembre prochain, t'as répondu qu'on était pris. Oh, ça sentait l'exploit à pleine nuit. Mais c'est ça, je suis pas libre le 9 septembre, Martin et Xavier. Moi, ça m'en fait plaisir qu'ils viennent. De tous nos amis, ce sont eux qui comprennent le mieux mes espoirs. Elle met 5 heures à jouir. 5 heures! Ils sont obligés de programmer des heures, des plages de 5 heures de tranquillité. T'imagines? Avec les gosses, c'est quasiment infaisable. Alors, quand elle baisse pas régulièrement, Alain m'a dit qu'elle était invivable. Moi, tu le répètes pas. Elle ne t'a pas traité? Bah, de tous les noms, tu penses? Non! T'as dit aller? Non, ça m'emmerde. J'avais prévu un rôti de veau. C'est pas grave, avant le major à bébé! Mais pour demain, j'avais prévu autre chose. Évidemment, pour les problèmes d'intendance, ça te passe au-dessus. En attendant, j'ai un rôti de veau sur les bras, je ne sais pas quoi en faire. Bon, mais donne-le à Martine, elle l'interroga. Bon, mais moi, je reste là. C'est quoi? C'est le portable de Martine. Alors, c'est un Roumain qui m'engueule parce qu'il ne veut pas que je coupe les pattes de son zèbre. Ah oui. Elle était intéressante, ce Luc. Oh, il a des longs moments de silence. Pour la maison du Napron, il m'a rappelé Margot, ce bord d'air collé que j'ai soigné pour une dépression. Il me fait de la peine. Il souffre, ce Luc. Comme une bête que j'arriverai pas à soulager. Je vais pas me piquer. Non. Il faudrait que je propose un stage de thérapie sensorielle. Si t'avais pas attendu 6 heures avant d'appeler le SAMU, ça serait pas arrivé. Mais j'ai hésité, figure-toi, parce que Carmen est illégale. Elle n'est pas surdouée, elle a si bien expliqué au CRS sur la plage. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le droit d'exprimer l'homme et elle fait chier tout le monde avec moi. Stop! Arrêtez! Il faut reprendre notre calme, là. Il nous faut nous ressaisir, nous recentrer. Nous allons reprendre contact les uns avec les autres. Je vous propose un stage de thérapie communautaire sensorielle, d'accord? On va se toucher. Se toucher les coudes. Personne n'est contre, hein? Les coudes. Ah! Les coudes, on s'est liés. Bon, ouais, tout le monde est avec moi? Alain? Luc? Ah non, moi je pense pas ça. Non, Luc, touche-moi le coude. Juste le coude, ça me fera du bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reloue tous ensemble l'année prochaine? Top là. Top là.